Première assiette. Et oui, 15 ans déjà. Ça commence à compter. Bon, la santé, ça va pas trop mal et j'espère rester de longues années le poil à gratter des élites et des lobbies. Mais la fatigue est là quand même. Et surtout, je veux préparer l'avenir. Il faut qu'InvestiAction puisse continuer après moi. Vous êtes nombreux à nous dire combien vous avez besoin de cette arme dans la bataille de l'info. Le capitalisme vert, c'est une arnaque. Il n'y a pas de solution dans le système. InvestiAction existe depuis 15 ans déjà. Contre la guerre, contre les médias mensonges, contre toutes les injustices, pour le droit à l'info. J'ai été accusé par monsieur... Oh, je vous accuse pas du tout. Mais je vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagarde, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot. Au Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. On ne peut pas... InvestiAction, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, nous avons trois permanents. Greg est le rédacteur en chef du site, responsable de la newsletter. Un pionnier, il est là depuis 10 ans déjà. David édite nos livres InvestiAction et grâce à lui, notre édition s'est fameusement développée pour vous apporter des livres permettant de comprendre les enjeux économiques et stratégiques, les médias mensonges, l'histoire et son impact actuel. Federica se charge de nous faire connaître, malgré la censure, d'organiser des conférences et de grands débats, développer les contacts avec vous, notre public, nos sympathisants. Nous avons aussi deux correspondants à Caracas, Ricardo et Jessica, animent le journal Amérique latine en résistance. InvestiAction, c'est donc une belle équipe de permanents, mais aussi de très nombreux bénévoles, et sans eux, nous ne pourrions pas exister. Mais nous avons quand même un grand problème financier. Nous sommes tout juste en équilibre, et seulement parce que je remplis, sans toucher de salaire, beaucoup de tâches. Direction, coordination, finance, beaucoup de courriers... et même pour le moment, faute de moyens, le secrétariat. Ça m'empêche de consacrer mon temps à rédiger des livres très en retard sur des thèmes que je crois importants. La gauche et la guerre, l'Empire Soros, le prix du sang, pourquoi et comment boycotter Israël. Et tout d'abord, InvestiAction veut engager un ou une secrétaire, mais pour embaucher, nous devons absolument augmenter notre budget. Aidez-nous à garantir l'info indépendante en devenant... amis d'InvestiAction. Le don mensuel nous garantit des revenus stables pour embaucher de jeunes journalistes. Le don ponctuel soutient un projet précis. Vous pouvez bien sûr choisir votre mode de paiement préféré. Nous comptons sur vous. La bataille de l'info, ça ne sera pas du gâteau. D'avance, un tout grand merci.